Bonjour à toutes et à vous toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour de course. On me l'a demandé, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc, j'ai fait mes petites courses à l'instant même, donc je vais vous partager ceci. Donc voilà, je pose, je vais mettre mes lunettes, moi je vais rien y voir. Donc voilà. J'ai acheté un poulet fermier, label rouge, sud-ouest, élevé en plein air. Voilà. Donc, je vous mettrai les prix là ou là. Hein? D'accord? Donc, voilà. Alors, c'est un poulet jaune. J'aime bien le poulet jaune. Voilà. C'est moi. Alors, je me suis pris de chez Le Gaulois des escalopes de daim. Voilà. x2. Donc, vous savez que je prends souvent mes produits chez le producteur, mais avec le Covid, je ne peux pas tout prendre. Donc, j'en ai pris. Comme je suis allée à la pharmacie faire plein de rendez-vous, je suis allée chez Leclerc et j'ai pris des petites choses. Voilà. Donc, deux escalopes de dinde, Le Gaulois. Voilà. Donc, je les aime bien, j'ai l'habitude de les prendre, donc je reprends. C'est pas pour moi, c'est pour mon conjoint, mon mari. Des côtes de porc. Parce qu'on aime bien les faire griller et puis il les emmène à son travail. Donc voilà, c'est le truc. Et puis j'aime bien les voir dans le congélateur. J'ai pris des chipolatas. Voilà. Alors, saveur des mauges. Je prends souvent saveur des mauges. Ça, c'est un truc de. C'est mon truc. x6. Des boulettes Happy Family. 18 boulettes. Charal. Faire à la bolognaise. Des petits plats à sauce. C'est pas mal aussi. Alors, dans le frais, je continue dans le frais pour pouvoir le ranger. Les véritables rillettes du Mans. Comme ceci. Donc, moi, j'en prends pas. Hein. C'est pas pour moi. On vient nourrir tout le monde. Voilà. Donc, oui, c'est un produit que je prends régulier. Les rillettes du Mans, souvent, très souvent. Le beurre gastronomie, beurre demi-sel président. Comme ceci, vous voyez. Pour le petit déjeuner le matin, moi, je prends celui-là tout le temps. Je le sors la veille. Ou des fois, je prends le beurre tendre, mais ça dépend du prix. Donc, les prix seront indiqués. Le beurre président demi-sel que je prends très très souvent. Alors les produits régions de nos régions de talent comme celui-ci, hein? Le bleu d'Auvergne au lait de vache pasteurisée. Donc voilà. Donc ça. Pour mettre dans les bolognaises, eh ben, écoutez, de l'emmental français, le croisé, x3. Des fois, je prends autre chose. Je prends souvent le parmesan. Moi, je suis anti-fromage, donc parmesan, vous voyez. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pas pris. Alors, je prends tout le temps cette crème à la normande épaisse, légère, 12% de matière grasse. Elle est vire. Donc, celle-ci, je ne peux pas m'en passer. Je l'ai tout le temps dans mon tiroir. Dans le frais. Alors, du raisin, Chasselès, je ne sais pas quoi, qui vient d'Espagne, j'en doute. Voilà, une petite grappe de raisin. Je ne peux pas déballer. Donc, avec du fromage. Des clémentines du Maroc. Clémentines, voilà. Et mes fameuses pommes de terre en vrac rouge que j'adore énormément. Si je ne prends pas celle-ci, je prends les amandines. Alors, des biscuits pour le petit déjeuner, des casse-croûtes. Moi, c'est des biscottes Heudebert, mais là, c'est des casse-croûtes Heudebert, BN pour mon mari. Tanzanie, des cheveux d'ange pour faire des vermicelles. Je le prends tout le temps, j'aime bien en avoir parce que ça fait beaucoup de potage. Donc, potage maison, puis vermicelle, cheveux d'ange. J'ai pris le moulin à poivre grain.
Sainte-Lucie, Sainte-Lucie, relevée, donc comme ceci, voilà, avec son petit tourniquet. Donc, c'est pour vous montrer que je prends tous les produits du terroir. Attendez, je suis là. Vous voyez, je prends tous les produits du terroir. Là, c'était celle de l'île de Ré, celle fin. Et puis là, pareil, la fleur de sel de l'île de Ré récoltée. Ça, c'était pas dans mon retour de course, mais c'est pour vous dire que ce que je prends avec, pour aller avec mon poivre. Eh bien, j'avais besoin de champignons parce que des frais, ça va bien, mais je ne cours pas tous les jours. J'ai pris deux petites boîtes de champignons. J'aime bien faire mes réserves. Voilà, notre jardin. C'est tout le temps cela que je prends, ou en émincé, mais je prends tout le temps cela quand je ne prends pas du frais. Une boîte de flageolets, c'est tout le temps utile pour le lendemain. Voilà, de chez notre jardin, extra fin. Mais oui, c'est utile. Alors, une baguette de pain parce que j'y étais. Donc, pour limiter les déplacements, j'ai pris chez Leclerc une petite baguette de pain. Elle est très très bonne, c'est la baguette traditionnelle. Voilà. Alors, une boîte de mouchoirs, c'est pour quand on se maquille, quand je me mouche, enfin bref, caresse, sensitive à l'aloe vera. Voilà, elle n'est pas chère, voilà le prix, je vous affiche. Je prends tout le temps celle-là, à part les Kleenex, pour se moucher. Ça, c'est pour s'essuyer, voilà. Et je me suis pris deux petites bougies Le Chat, à son noir. Essayez comment elle est. Noir avec des petites paillettes d'or, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, j'ai deux bougies. Je vous mettrai une photo pour, dans mon bureau. Mon bureau dressing. Je fais tout mon bureau. J'ai trouvé qu'avec le petit plateau en or que j'ai, que ça ferait joli. Elles ont des petites paillettes d'or, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, je pourrais ouvrir, mais voilà. Donc, voilà mon retour de course. C'est une grande première pour moi. Si je me jette dans une cage à lion, pourquoi pas? Donc, je fais mon petit retour de course. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vous mettrai le total. Qu'est-ce que j'avais? Je voulais aller à l'Action pour racheter ces fameux pots là. Cela, il y avait 25 personnes à attendre. Donc, j'ai démissionné. Donc, j'aurais voulu continuer cette collection. Mais je ne peux pas parce qu'il y a trop de monde et il n'y a peut-être pas d'arrivée. Voilà. Je voudrais remercier tous mes abonnés ainsi que tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité, cela me va droit au cœur. Je monte, et puis c'est un plaisir. Je fais ça, c'est juste un petit plaisir. Alors voilà, c'est mon petit truc à moi, je polémique pas là-dessus. Chacun est libre de ses choix. Donc vous voyez, aujourd'hui je porte les petites croix, oui. De chez Agapé, la petite croix. Alors, je ne l'ai pas enlevée. Donc, j'ai un petit haut de chez, très vieux, de chez Grain de Malice. Et puis, j'ai tout le temps mes petits bracelets qui me suivent tout le temps. Je ne les enlève jamais, ni les boucles d'oreilles. Je vous assure que je me lave, je me douche, je fais ma vaisselle, je fais tout avec. Franchement, alors là, c'est Marc Myrène, les petits bracelets chez Marc Myrène. Attendez, il y a un petit M là de chaque côté de la goupille. Alors non, ça ne me gêne pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 8 jours pour faire l'entretien de mes silver. J'ai pris rendez-vous, parce que là c'est une manucure que j'ai fait moi-même. J'ai pris rendez-vous pour le 12-13. Pour refaire mes ongles, là c'est du semi-permanent. Je vais retourner chez Nocibé, n'importe quoi, chez, je ne sais plus, je vous mettrai le nom pour refaire mes ongles rouges pour Noël. Donc voilà, voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, parce que je vais sûrement poster pour le week-end ma vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure, bien sûr. Et au fait, votre déconfinement, comment ça s'est passé? Dites-moi. Moi, enfin, déconfinement sur les 20 km, la liberté d'avoir 3 heures, c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup. Alors moi, je fais du vélo, je fais beaucoup de marches. J'étais très malade au ma gastro, à ma carabinée. J'ai été testée, donc c'est négatif. Voilà. Mais je suis fragile. Il faut que je me couvre. Je fais du rameur 120. Toc, et puis mon petit vélo, que je vais mettre une photo là pour vous faire voir pour vous montrer comment je fais sur ma terrasse quand je suis en forme. Sur ce, portez-vous bien, les préparatifs de Noël vont pas être évidentes. Moi je n'ai rien, on prévoit trop rien parce qu'on ne sait pas. Donc voilà, j'ai les anniversaires de mes petits-enfants à Orvos, on ne peut pas y aller, ben, c'est bien dommage, on est punis. On est toutes lancées à la même enseigne. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, la santé avant tout. Sur ce, belle journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et puis j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Allez, bisous. Portez-vous bien. Je cherche ma télécommande parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone. Et maintenant, j'ai un petit anneau pour voir. Et puis, je peux arrêter quand je veux. Voilà.